Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je vous reviens avec un maquillage Totally Kiko. Donc en gros j'ai voulu redonner une chance à ce fond de teint là, mais vous allez voir que franchement c'est un bide total. C'est vraiment pas, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire parce que son fond de teint se déplace complètement, donc c'est totalement pas possible. Donc en gros je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé pour ce make-up. Donc le fond de teint Universal Fit en teinte 06 Creamy Beige, que je déteste. J'ai utilisé le concealer, le Full Coverage Concealer en teinte 02. Ensuite j'ai utilisé le blush Rock Attraction 04 Pop Abricot. Voilà. J'ai utilisé la poudre compacte, donc la Precious Illuminating Bronzer, donc moi je l'ai utilisé comme poudre, mais c'était de la collection, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, voilà. Ensuite j'ai utilisé en guise de bronzer une poudre, donc c'est la 04, la Soft Focus Compact Poudre, donc en gros elle est comme ceci. Donc normalement vous avez une petite éponge là, mais je ne l'ai plus puisque je l'utilise comme bronzer. Ensuite j'ai utilisé le Skinny Fit Kajal en teinte 01 pour l'intérieur de la muqueuse. Ensuite j'ai utilisé le côté noir de la version double liner de la collection Total Glam, je crois, un truc comme ça. Double glam, donc ça devait être une collection glam, mais il n'y a pas longtemps, vous pourrez aller voir le haul. J'ai pris aussi le crayon Kajal 5, le crayon Matita Oki, le Skinny Fit aussi en brun, et j'ai utilisé aussi le mascara, donc celui-ci c'est le Extra Curl Mascara. Ouais, bof, on va dire aussi. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres mat qui est d'une dinguerie. Il laisse pas de fini collant. Il est plutôt agréable à porter, n'assèche pas trop les lèvres. Et c'est le 03. C'est un magnifique framboise. Voilà. Et ensuite j'ai utilisé, alors c'est un peu dans le désordre, hein, mais j'ai utilisé donc la poudre fixante invisible avec le puff. Et en dernier j'ai utilisé, donc en référence à ma copine Ludivine, parce qu'elle disait qu'elle n'arrivait pas à le travailler, donc la Mixing Solution et la Color Sphere numéro 34. Et voilà en fait l'effet que ça donne. Donc bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec le tuto.
peu ce que le maquillage a donné. Alors pour moi, bon, je trouve ça pas mal. Le fond de teint, il tient pas, hein, il se déplace, il brille, voilà quoi, en gros je brille. Le rouge à lèvres, il a un petit peu fuité sur le côté, là. Là. Oh, là, 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 là. Et après, le crayon, en fait, ne tient pas très très bien, il a coulé. Mais bon, du coup, je me suis pas remaquillée pour vous dire un petit peu ce que ça donnait. Non, là, pas doux, tu touches pas, tu fais le bazar, il fait le bazar, mon loulou. Donc voilà, en gros, j'adore le rouge à lèvres, il est top, top, top. Hein, je viens de rentrer du travail, je viens de retrouver mon loulou. Donc ça a bien tenu, hein, plutôt, hein, on va dire, à part le truc qui coule là, un peu là, et puis le mascara, le fond de teint qui... Mais bon, je me suis maquillée, il devait être 9h le mat... 8h, 8h ce matin, et il est quand même 19h15, donc ça a quand même bien tenu. Le rouge à lèvres, j'en ai juste remis une petite couche après manger, à midi, mais honnêtement, il tient plutôt bien. Maman fait un bisou pour montrer. Mouah. Maman le fait un bisou. Il a rien le bébé là. Maman le fait un bisou là. Mouah. Il a pas le bibi. Il a pas le bibi là. Non, il n'y a pas. Donc c'est que ça tient bien. Hein, mon amour? Tu fais bisou? Tu fais au revoir? Au revoir! A bientôt! A bientôt, mon amour! Petit câlin. Oh oui, petit câlin, mon bébé. T'es trop beau, toi! T'es trop beau, toi! Tu souris pas beaucoup, hein, quand même. Bon, allez, je vous laisse. Gros bisous. À bientôt, bientôt. Ciao! Fille belle en rose. Donc, les filles, nous revoilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous aura un peu donné des idées, un peu aidé dans la manière de travailler les fards. La seule chose que j'ai à dire, c'est que vraiment, ce fond de teint est une daube. Je sais pas ce que je vais en faire. Donc je pense que je vais faire un giveaway parce que franchement, je peux pas l'utiliser. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pourrais pas l'utiliser. Il est... Pour moi, et je sais pas. Je verrai bien. Donnez-moi un peu vos impressions en barre d'infos parce que je sais que bon, ça se fait pas trop de refiler ces produits ouverts. Mais bon, là, je sais... Je reste indécise un petit peu quant à la décision que je dois prendre par rapport à ce fond de teint. Donc ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, aimer, commenter, ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !